Pour discuter d'actualité, je vous dis à nous content à recevoir pour une deuxième fois dans Chita Palais à Caïbo Post, M. Samuel Madistin, lycée président, fondation Jéclé. M. Madistin, bienvenue pour le deuxième passage dans Chita Palais. Eh bien, bien content, je peux me lancer dans Chita Palais. J'espère que nous sommes capables de parler ensemble, dans le sens où. En pile bas, vous ne parlez. Nous supposons évoquer de ces muscadins, nous gagner de l'actualité qui se tient au niveau sécurité dans le pays, mais nous supposons parler tout de crise gouvernance, parce que nous gagnons l'impression que nous avons une situation où il n'y a pas grand chose qui a bougé. En tout cas, si il a bougé, il n'y a pas nécessairement bougé dans le débat public. Là. À ces débats qui ont fait derrière les rideaux. Mais comment c'est peut-être avec le dossier Jean-Ernest Muscadet? Pour me rappeler, Jean-Ernest Muscadet, c'est commissaire gouvernement Miragouane. Début juin, Fondation J'éclairé a une lettre demandée pour révoquer. Pour révoquer, et je me demande si ça a venu en marge, il y a une vidéo qui a circulé sur Internet, là, qui t'a semblé montrer le commissaire là, exécuté. Un présumé bandit qui était déjà maîtrisé. Pour qui ça a révocation? Pour qui ça, par exemple, pour pas demander une enquête pour clarifier ce qui passe? Pour qui ça ou aller directement vers option qui est plus rigide là, qui c'est une révocation? Nous-mêmes, nous demandons trois bagailles. Okay. Premièrement, nous demandons révoquer le commissaire. Nous demandons parce que nous n'avons pas de doute sur le fait que le produit, parce que le commissaire a revendiqué le public lui-même. Mm-hmm. Il dit qu'il le fait. Et nous estimons que ce n'est pas extrêmement grave que vous êtes capable de maîtriser un détenu et que vous exécutez sommairement. Donc l'exécution sommaire, c'est un crime odieux qui est condamnable. Mm-hmm. Donc nous disons au commissaire gouvernement, il y a des attributions qui sont prévues par la loi. Et logiquement, les fonds bagarre comme ça, ils ne sont pas qualifiés pour le rester dans le poste encore. Mm-hmm. Deuxièmement, ça le fait à son crime lié. Donc, un magistrat va au-dessus de la loi. La loi prévoit les conditions dans lesquelles un magistrat commet une infraction, vous faites pour soumettre à la justice. Mm-hmm. Donc, nous demandons que vous voyez monsieur devant la justice mm-hmm. pour la répondre des actes qu'il fait. Mm-hmm. Troisièmement, il y a un crime qui fait. Moun qui fait crime, non. Eh bien, ou gagne deux bagay. Mm-hmm. Ou gagne sanction, établi vérité sur crime, non. Sanctionné coupable là. Et ou gagne réparation pour victime, non. Ou bien pour parent victime, non. Laissons agent de l'État qui font crime. Ils ont double responsabilité. Mm-hmm. Ont responsabilité personnelle pour lui. Et qu'on responsabilité de fonction, mm-hmm. qui c'est le monde qui emploie et là, c'est l'État. Et nous dit que, dans ce sens, ça, si l'État a besoin d'établir que l'action, ça, que fonctionnel la commet, et qui sont malgré répréhensibles, que son écart, que ce n'est pas politique, eh bien, c'est lui qui prend en charge le ça, réparation. Victime, il veut demander ça. Mm-hmm. Donc, et le ça, à plus le monde ne comprendre, parce que l'État a fait ça, mm-hmm. c'est l'État a montré qu'il n'a pas assumé en politique d'exécution sommaire mm-hmm. dans le pays. Il a montré qu'on dérive qui commet et qu'il n'a pas allé dans l'INSA. Mais qui soit répondre avec le monde qui dit tout ce qu'on dit, on comprend en théorie et il peut-être fait sens en théorie. Mais nous avons une situation côté toute institution dans le pays, plus fort institution démocratique, qui est démantelée. Nous n'avons pas un système judiciaire qui a fonctionné. Et nous avons de bandits qui ont tué, pillé, violé, tué y compris de policiers en toute impunité. Mm-hmm. Est-ce que nous sommes capables de mettre tête dans une situation côté nous voulons montrer que la vie gain même importance avec en tout cas plus importance que la vie moun yo victimisé. Non, nous pas dit ça. Au contraire. Situation que n'a vive là, son situation
qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile, et me comprendre en pile monde. Il m'a dans pile pour mon fond dépassement pour être capable de respecter les règles. Et c'est ça que fait gagner en pile monde qui réagit mal et qui pensait que solution c'est un bon bagage que on dit la fait exécuter des bandits. Mais qu'est-ce qui arrive? Les problèmes ça a posé. Le bon problème qui pose dans le pays, c'est un problème de sécurité et de sûreté publique. Ça a besoin de chercher solution pour résoudre le problème. Ça. Il se trouve que ce n'est pas la première fois le problème dans le pays. Nous, il y a des gens qui ont fait des réactions émotionnelles qui compliquent la situation davantage et qui passent à côté du problème. Nous, toujours à chercher de solutions émotionnelles à un problème qui demandait une réponse scientifique, une réponse institutionnelle. Ok, je vais aborder la réponse scientifique là et je vais aborder tout réponse différents mondes à problème muscadien. Mais bien avant, qui te demande dans fonction li, comme commissaire gouvernement, est-ce que les sont qui habituels pour yon magistrat debout fait ça muscadé en fer? Non. Est-ce que l'illégal? Non, c'est arbitraire, totalement illégal. Ça va rentrer dans l'attribution. Commissaire gouvernement, lycée, ça ne relève un officier de police judiciaire. Officier de police judiciaire, d'accord. Le concept même d'officier de police judiciaire, il y a un double sens. Il y a d'abord un sens matériel. Côté le couvrir l'ensemble des opérations de police. Alors ça c'est l'ensemble opération de police. Ça c'est toute investigation, c'est toute ça qu'a fait pour chercher information pour combattre la criminalité, combattre les gens qui commettent des infractions. Et dans ce sens là, il y a trois bagages pour faire. Ou bien constater les infractions, ou bien rassembler les preuves et soumettre les délinquants à la justice. Et deuxième activité, deuxième aspect, c'est monde qui concernait, qui représentait l'ensemble des officiers de police judiciaire. C'est des juges de paix, c'est des policiers, c'est le commissaire du gouvernement, c'est le juge d'instruction, qui c'est des monde qui là pour faire opération sur le palais. Donc, toute opération d'investigation. Donc, lors d'une situation d'enquête criminelle, ou partie d'une situation de fait connu pour chercher fait qui est caché. C'est ça, enquête criminelle. Là. Donc, autrement dit, les auditions, l'infiltration, les témoignages, les saisies, les constats, ils ont joué un rôle important dans la recherche des infractions. Donc, qu'on y a un monde qui commet une infraction, si la justice, la police réussit à mettre main sur lui, ils sont source inépuisable pour bailler information, pour résoudre des crimes, pour chercher pour la police qui a fait prévention pour empêcher les crimes. Parce que la police a deux choses pour le faire. Il y a pour le faire la prévention et la répression. Les rives dans la répression, c'est parce qu'elle échoue dans la prévention. Au lieu de faire un crime, m'arrêter, si m'empêcher de faire un crime, c'est plus efficace. Donc, c'est la police préventive. La police, pour le faire prévention, il a besoin d'un ensemble d'informations. Et ensemble d'informations, ça y est, il joue dans l'investigation criminelle, il joue dans les gens. Et moun yon particulièrement type de moun ki kabay yo, c'est moun justement qui fait qui commet infraction qui dans groupe criminel. Oui, mais gen moun ka répond nou, c'est pas première fois y a arrêté de bandi et puis dans lendemain yo relâché. Parce que système judiciaire ou bien système pénitentiaire faible. C'est ça wap di moun y a dit là oui.
Est-ce que ça veut dire faut que nous quitter de côté le droit ou aller vers l'arbitraire? Est-ce que c'est ça qui a nos solutions? La réponse est non. Mm-hmm. Et nous avons preuve. Moi-même, moi de là. Le, par exemple, nous décider n'a fait pas le moins comme solution à pression et insécurité. De là, oui, les Pélébrins viennent monter, Monseigneur. De là, le, nous venons attaché, phénomène attaché, nous venons passer dans phénomène frappe, nous venons passer dans chimé, nous passer dans, quand nous venons dans bandit légal. C'est à chaque fois faiblesse, nous, incapacité, nous, pour nous chercher solution, pour nous renforcer l'institution, yo. N'a cherché de solutions privées, de solutions individuelles pour un problème national qui ont problème qui méritait une réponse coordonnée, une réponse scientifique. Et le résultat, quel est le résultat? Le résultat, c'est que nous avons une société qui vient instable, nous avons une société qui n'est pas capable de travailler pour le développement économique. Et nous avons une société côté où on assiste à la fuite des capitaux, la fuite des cerveaux, parce que la société a été trop insécure, trop instable. Ce n'est pas parce que la justice est inefficace, la police est inefficace, qui fait que nous allons tomber dans l'arbitraire, qui prend nos solutions à problème d'insécurité que nous avons là. Ok. On regarde comment nous réagit. Je mets en deux catégories. Nous avons une catégorie de professionnels intellectuels et d'autorité morale qui réagit avec Zach là. Nous avons un monseigneur, par exemple, qui mandé formellement à la Fondation J'éclairé pour quitter le commissaire à faire travailler. Nous avons plusieurs professionnels de monde qui ont un diplôme, de monde qui ont un minimum de respect dans la communauté, yo, qui pensaient que si on moins de mal, si commissaire là, ça le fait, il fait dans nous la justice et pour le capable bailler la paix avec les gens qui sont dans la zone côté lié. L'autant des déclarations, ça, qui sont répondues nous-mêmes? Ça me répond. Premièrement, sur le religieux qui a parlé, Premièrement, c'est que il faut mettre en tête non que les religieux n'ont pas généralement des paragons de vertu hein? Dans toute l'histoire. Et si nous apprenons l'histoire récente d'Haïti, même si nous apprenons l'histoire universelle, mais si nous apprenons l'histoire d'Haïti, l'histoire récente, on va regarder pour voir que son monseigneur, l'autre jour là, qui dit Michel Mateli, eh bien, retirer pantalon Michel Mateli à sous, mettez pantalon sur Mikiya pour qu'elle dirige le pays. Mes recommandations au Monseigneur, au évêque catholique, à un président comme Michel Mateli. Son père, il a fait apologie de Père Lebrun comme solution à l'insécurité. Son autre père catholique, qui campe et qui dit bon, Père Lebrun a tellement fait bon travail, nous balgrade, nous monte. Nous mettons le Monseigneur qu'on y a. Pour les jeunes qui pas nécessairement connaît, qui s'appelle le Brun, expliquez-le. Père Lebrun? Oh, attendez, qui est-ce que vous avez? Père Lebrun, c'était un commerçant qui a vendu caoutchouc. Son petit grand monde, mulat, qui était un business, vendu caoutchouc. Et puis, il te fait en publicité qui dit l'orgue caoutchouc, Père Lebrun, il est tellement bon, il a coché. Clou, il a crasé roche, tout côté où passé, c'est caoutchouc pour le bruit pour nous servir parce qu'il est bon. Et les Jean-Claude Duvalier est tombé dans le bagage qu'il a fait contre Makout, il y a des gens qui commençaient à prendre caoutchouc, passer dans le coup de monde, mettre gaz, mettre du feu, il a brûlé les gens à caoutchouc. Et pour un père catholique qui vient en verset biblique, pour l'estimer que ça a fait la biblique, qui a baillé les gens le supplice du collier. Il dit son bon bagage, il te relé que le caoutchouc, le bruit, c'est un instrument, un bel instrument. Ça, c'est bien Bertrand Aristide. C'est absolument, pour ne pas le nommer. Maintenant, et c'est parlons l'autre père dans la grande danse, le père
samedi, je vois chez samedi, qui peut dire, mais Pelle-Bou, un tel m'a fait un bon travail, nous mettons le Monseigneur. C'est-à-dire que, ou bien des religieux qui ont fait promotion de la violence, de l'exécution sommaire, non société, quel que soit ça, on est capable de commettre pour sanctionner, mais qu'on met au caoutchouc, qu'on met des gaz, on met des passés allumettes, on met du feu au boulet, et pour que nos religieux qui disent ça, c'est un bon bagaille. Donc, les religieux, généralement, ce ne sont pas des paragons de vertu, ils ont des écarts dans la société. Premièrement. Deuxièmement, son déclaration qui est marquée par la déraison. C'est-à-dire que on manque de jugement dans la déclaration. On dit par exemple, pour l'organisation des droits humains, on quitte la police qui travaille. Mais qui l'est de l'organisation des droits humains dès qu'on a empêché la police qui travaille? Nous avons des gens qui disent que si le pays a 10 commissaires Moscardin, nous avons résolu le problème de sécurité. Mais c'est des paroles capties dans des émissions, sans analyse, sans raisonnement. Hein? Qui est-ce que nous avons 16 000 policiers et qui ont des difficultés pour résoudre le problème de sécurité? Ou bien on est, qui ça le fait? Qui côté Muscadin goumé avec bandit? Côté là, il tire sur bandit, bandit tire sur lui, et puis il tue, il prend des amis, etc. Li pou nèg li maîtrise pas gen même un bout de couteau dans main même si nèg la té bandi mais l'elle prend l'an pas gen rien dans main li pa goum avèl li maîtrise et puis l'exécuter c'est pour nèg qui lève cal goum avec l'amour sans jour ou bien rentre village de Dieu avec équipe li avec tactique li cap tirer a tirer sou li et puis fait bravo keke et puis gen moun ki mouri non c'est pas un échange non son moun que le maîtrise donc sou qui base pour dire problème que 16 000 policiers pas qu'à résoudre, toute institution spécialisée nous yo pas capable résoudre et vous dites que 10 nègres comme Muscadin qui ont 10 civils armés avec lui qui peut exécuter des gens qui le maîtrisent pour pas résoudre problème de sécurité. Ça pas capable résoudre problème de sécurité. Donc on monde qui dit ça, son monde qui sans jugement, c'est-à-dire pas raisonner et qui gros problème nous gagne et de pour deuxième catégorie mon nom c'est ça en Haïti. Nous avons des élites qui ne prennent pas responsabilité comme élite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage de leurs idées pour gagner des positions, même si le public n'est pas d'accord, pour son bon bagage. Moi, je dis, nous avons des gens qui battent bravo derrière la foule, qui courent derrière la foule. Ils sont capables d'être intellectuels, ils disent, la foule a dit tel bagage, et puis ils répètent tout. Et généralement, nous avons ça, son dilemme en Haïti, des gens qui marchent, qui suivent le courant, qui marchent, répéter ça fou la dit, mais qui n'ont aucune analyse, aucun jugement, et qui pas de sens de responsabilité. Qui problème nous avons? Nous avons problème de sécurité. Qui ça? Qui, comment pour nous résoudre? Mais ce n'est pas bien, c'est oui. C'est-à-dire que gang yo gon puissance de feu qui permet qu'il y ait agi. Il faut monter puissance de feu la police sur le plan institutionnel. La police allait village de Dieu 12 mars. Ils ont tué les policiers. Eh bien, il faut analyser ça. La police a fait une intervention à côté. Il faut avoir ce qu'on appelle l'intelligence opérationnelle. C'est-à-dire que dans village de Dieu, supposez que la police de l'opération objectif, c'est par exemple d'aller arrêter ISO. Le 12 mars. Mais depuis le 12 février, faut la police ta connaît chaque soir qui côté ISO dormi dans le village là. Mais qui caille dormi, qui côté qui moun ki pou manger pour lui, à qui l'elle manger, à qui l'elle dormi. Faut que infiltration que t'es faite dans le village là. De telle sorte que jour où elle fait intervention, ou intervenu, ou prend ISO et pour aller. Maintenant, tu as capable de mourir, oui. Si on y a pas non apprendre, il y a des gens, il y a des soldats pâles qui voulaient échanger avec la police dans l'échange de coups de feu. Tu as capable de mourir dans l'échange. Bon, pas qu'à dire que besoin de faire une intervention, ISO fouille un trou pour chat à tomber. La police pas bon monde dans un village là qui vous dit. Bon trou là pas vini. Donc ça veut dire que eh bien c'est pas organisation droits humains qui empêche la police de travailler non, c'est la police qui pas professionnelle, qui inefficace, qui pas fait travailler les gens le fait. Et il y a des allégations tout comme quoi tu as une infiltration qui fait
deux bandits à la police, qui, ah, c'est, oui, qui, c'est, qui sont l'autre sujet. Mais ils parlent l'autre sujet, non? Ça veut dire que la police, bandits, plus bien organisé que la police. Moi-même, nous avons des informations dans la Fondation J'éclairé. Le, par exemple, ISO, Village de Dieu, prend un paquet à l'autre jour, descend pour parler de justice. Que vous avez des gens qui sont dans la sécurité, paquet, qui sont assurés de sécurité, le tribunal là, oui. Et qui te déconne, ils vont s'abandonner. Oui. Mm. Mais bien sûr, ça veut dire qu'ils ont infiltré sécurité paquet avant même qu'ils fassent intervention. Mm. Mais ils ont fait là un travail pour la police te fait. Mm. Pour la police te infiltrer bandit pour faire opération. Mm. On parle de foule là qu'on y a. Récemment, la police a arrêté un individu qui était recherché, déjà, Ezekiel. Mm-hmm. Ou gen un ensemble de mouvements populaires qui fait par moun ki partisan lui et de moun ki te proche tout pour mander pour réclamer libération li, ou gen une radio de personnalité publique qui a essayé expliquer gen une différence peut-être pas de nature mais de degré entre monsieur avec l'autre bandit yo c'est une carrière comme ça. Comment analyser la situation ça? Est-ce que déjà vous pensez même bagay qui a passé avec Ezekiel est similaire avec ça qui a passé Miraguane d'un côté ou gen impression population facturée d'un côté ou ensemble de monde qui d'accord gen muscadé puisque la police pas effectivement ka protéger yo. Et à chaque fois tout ou gen deux chefs de gang qui prend de communauté en otage ou bien qui dit il a protégé de communauté ou gagné même fracture ça et même fracture ça rejoindre étonnant élite intellectuelle et économique paysan côté d'un côté ou gagné monde qui dit si ou fait mal si ou exécuté qui sont bagarre qui complètement illégal mais ou fait au nom de la justice il bon, fait sens c'est pas étonnant ça c'est des bagarre que nous ouais l'autre côté déjà et que nous en Haïti en pile fois déjà. Par exemple, la police avait essayé de combattre les cartels de dealers de drogue en Colombie. Au conjoint Mounio, dans la population qui prend pour dealers contre la police. Mm-hmm. Parce que Mounio dans une situation de misère et de pauvreté telle que dealer elle fait comme là, il fait moun vivre dans environnement côté lié a li gon partage li gon retour que le fait dans économie criminelle que le gère à moun qui dans le besoin et ou gain de moun en Colombie qui vivent d'intellectuels qui vivent de l'économie criminelle qui vivent de situations ça et qui c'est des moun qui a supporté situation donc ou joine en Haïti tout ou joine de monde bandi ou pas ta aussi efficace aussi fort si ou pas de gain d'intellectuel ou pas de gain de monde cap supporter non ça dit ou pas de garder effort que n'y a fait sur le plan technologique il a fait il a volé drone il a utilisé téléphone il a utilisé bateau il a donc yo a acheté armes à l'étranger, il a acheté munitions à l'étranger, yo gagné un réseau de monde qui gain compétences, qui gain niveau académique et qui au service de l'économie criminelle. Donc et là ça ou je dis dans toutes les strates de la société, ou ka joindre dans la presse, ou ka joindre dans l'église, ou ka joindre au niveau de l'université. Donc ou gain tout type de monde qui gain droit dans la société a de manière consciente ou inconsciente, qui est au service d'un réseau mafieux, d'une équipe, d'un réseau de criminels, et qui permettent que l'activité SAIO a continué. Et que les mondes, ce n'est pas naïveté, que les mondes, ce n'est pas choix, que les mondes, ce n'est pas la déraison. Hein? Mais d'une façon ou d'une autre, le système n'a pas été campé s'il te gagne de faire face à des mondes, on doit élite responsable, en gouvernance responsable, pour te combattre. Donc, et c'est ça que nous avons là en Haïti. Et ça, nous pas joindre aujourd'hui seulement.
nous toujours jouons ni. L'OTAN, les armées font coup d'État. Ou il veut quartier général, ou il veut une bourgeoisie, des filles qui apportent fleurs, qui apportent bagaille pour les soldats. Ou il veut les petits soldats faire un coup d'État, ou il veut les plus belles femmes de ce pays qui prennent la marche à soldats. Je veux dire, ou il veut avec Iso, ou il veut avec, n'est-ce pas, Ezekiel. Vous comprenez? C'est-à-dire que ou il y a une situation dans le pays, hein, côté à chaque fois, à chaque période, à chaque époque, ou gen de moun ki gen de bagay ka fèt, gen de violans ka fèt, et gen de moun ki au service de la violans, gen de gon comportement sociologique, gon comportement social, gon comportement de an pil moun nan société a, ki pa kap vive au jour le jour, et ki pa pose problème de l'avenir de la société, et ki ap suivre courant, kap suivre mouvement et qui a applaudi de ça qu'a fait là sans aucun raisonnement véritable. OK, en 30 secondes avant de passer à la prochaine partie. Pour qui ça son danger? Là nous gagnons une partie de la population qui a applaudi de monde tant que commissaire Muscadin, de monde tant que Ezekiel, de monde tant que de l'autre individu nous pensait qu'il a agi en marge de la loi. Pour qui ça son danger? La population, mais tout, on peut être dans l'élite professionnelle noire ou dans l'élite intellectuelle noire à supporter mon ça. Pour qui ça son danger? Parce que, sauf que nous ne pouvons pas faire notre seconde, parce que le premier problème, c'est qu'il pose un problème de culture démocratique ou bien de culture politique ou de culture juridique ou de culture tout court. Pour qui ça son problème de culture démocratique? Dans une société démocratique, il y a trois grandes valeurs généralement que la société a essayé de prôner. Premièrement, c'est la tolérance. Deuxièmement, l'esprit d'ouverture. Troisièmement, le pluralisme des idées. Ou après, moun sa yo, qui a applaudi la question sa yo, première caractéristique yo, c'est que yo intolérant. Yo a essayé de faire le culte de la pensée unique. C'est ça que yo croit. Yo pas voulant moun qui a une opinion contraire. Ou gen doit parler, ou gen doit avoir opinion, ou regarder toute menace que Fondation J'éclairé subit, Madame Gilles, moi-même, tout le monde, etc. Menace de mort, de, parce que nous avons une opinion, nous ne sommes pas d'accord. Ouais, bon, nous sommes intolérants. Ouais? Donc, ou gen premier problème, ça. Ou gen deuxième problème, c'est que les gens, ils ont une absence de culture politique. Ça, ils pas qu'on est, c'est que leur qu'on y a, ou ont supporté les gens, dont officiel de l'État, qui a fait exécution sommaire, ou après, bagaille la pral répéter, regardez ça qui s'est passé là, Juvena, c'est-à-dire des jeunes qui ont manifesté devant porte en dame, ils ont dit que c'est maman petite premier ministre là. La police en unité de la sécurité de la primature, vini, y a arrêté quatre jeunes. Et puis, ils ont vini jouer un cadavre tous les quatre. C'est-à-dire, ils n'ont pas mené, ils n'ont aucun commissariat, ils ont allé, ils ont exécuté. C'est l'exécution sommaire. Donc, là où bon pouvoir, où bon gouvernement a fait ça, sur le plan politique, quel est le danger? Le danger, c'est que pouvoir par exemple faire violence sous partisans parle. Moun qui prochain victime ni l'a pas encouragé ça, c'est pas lui-même la presse. Parce qu'on va le combattre liberté d'expression, il va d'accord pour moun a pas les paroles ça yo. C'est pas l'organisation droits humains qui a fait des enquêtes, qui a dénoncé ça, il va le poursuivre yo. Après c'est les opposants politiques. Parce que qu'a contesté pouvoir, donc où a fait place, n'est-ce pas, pour un pouvoir dictatorial, un pouvoir répressif, qui a violé le monde sans pas qu'on ait, donc par manque de culture politique, son manque de culture juridique, tout parce que l'on arrête au monde, ou besoin, n'est-ce pas, mener moun sa la justice, ou besoin utiliser pour comme un symbole, pour montrer au monde qui voulait faire même bagaille, pour dire, mais ça capte nous si nous commettons telle infraction. Donc, pour la stabilité de la société, ou pas travailler pour la stabilité de la société, l'on a encouragé l'exécution sommaire, l'on a encouragé la violation de la monde. Et société, en fin de compte, n'est-ce pas ce qui s'est arrivé, c'est que société, ça, la vie de nos sociétés, qui n'a pas de développement économique, moun qui gagne l'argent, pas investi dans le pays. L'économiste dit, le capital est frileux. Depuis le capital, là, il y a un côté, il y a un trouble
li koui dans l'autre côté. Ou ap gade dans la République Dominicaine l'année dernière, yo montre yo parle de Haïti en termes d'investissement étranger, quantité cob k'ap sot dans l'autre pays pour venir investir en République Dominicaine, yo gade yo Haïti vin prend proportion démesurée parce que moun ki gen l'argent en Haïti, ni la classe moyenne, ni la classe bourgeois, qu'on y a en République Dominicaine, y a investi. À cause de l'insécurité, à cause de problèmes que nous pas résoudre, problèmes de sécurité, problèmes de sûreté publique en Haïti. Mais nous remarquons une certaine hostilité de la part de population pour l'organisation qui a défendu la moune. Il y a une hostilité ça tout, pour les journalistes, même pas c'est son problème qui entier, qui méritait en leur discussion. D'après vous-même, qui ça qui explique lui et comment nous-mêmes, l'organisation qui défend la moune, les fondations J'éclairé, CAD et RDDH, qui ça nous qu'a fait, nous pensons, pour diminuer la tension entre moune, entre population qui c'est pour nous travailler avec nous-mêmes? Par exemple, l'autre bagaille, qui s'est formé moune, sensibilisé pour la culture démocratique, pour la tolérance, pour le respect du pluralisme des idées. Parce que qui ça privé? Nous-mêmes, qui ça nous dit? La police a couru des bandits. En dans la police, là, il y a des bandits. Ou après, les CPJ sont arrêtés, un policier soit dans le kidnapping. Ou un bande gang dans le pays qui a fonctionné dans le pays, qui a des policiers là-dedans. C'est connu. Dans toutes les écoles de police au monde, dans toutes les académies de police au monde, l'usage de la force est réglementé. La police n'est pas capable d'agir même gens avec Bandi. Qui ça, la force? La force, c'est d'abord un commandement pour soumettre le monde au règne de la loi. Le commandement peut être un commandement verbal. Par exemple, c'est un coup, on va passer là, et puis le policier a dit, on va pas passer là. C'est l'usage de la force. De la force verbale. Quand il y a, il y a droit, m'a arrêté le monde, mais mets l'hôtel. C'est l'usage de la force. Mais notre force, c'est. Quand il y a, si j'ai besoin d'utiliser la force armée, son l'autre degré dans l'usage de la force. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans les écoles de police, dans les ouvrages de police, dans les académies de police et l'armée aussi, ils ont dit pour l'usage de la force, on gagne 4 règles pour respecter. On principe en 4 points. Ils ont dit le plan. B-L-A-N. Plan. Premier bagage là, c'est la proportionnalité. Premier lettre là, P. C'est-à-dire que force m'a utilisé à proportionnel par rapport à force que m'a réprimé à. Pour la même valeur. De même valeur. Donc, force gon usage légitime de la force. Et si me fait un usage illégitime de la force, monde qui fait usage ça, les fait qui commettent une infraction. Deuxième bagay, faut que force la légale. Faut que ça m'a fait son bagay qui est commandé par la loi. C'est un coup muscadin, il tue un monde qui pas entré dans l'attribution, il n'a pas fait un usage de la force qui est commandé par la loi. Et de vous faire un usage de la force qui pas commandé par la loi, vous faites pour répondre de violation, ça, son acte arbitraire, comme possible. Et puis, c'est-à-dire que c'est nécessité pour ou rendre compte de son faire. Là, une fin fait un usage de la force pour m'expliquer pour qui ça me fait. Et en dernier lieu, faut que force là est nécessaire pour me faire. Donc, nous-mêmes, qui ça, dans l'organisation des droits humains, nous fait? Nous suivons les règles. La police là, mais a pas agi, nous demandons de respecter les règles, mais c'est nous apprenons à l'école. La police là, pas qu'à agir, même j'ai agi. Il pas qu'à agir, même j'ai la mort sans jour. Donc, quand il y a des gens dans la société qui ne veulent pas qu'on règle,
et qui pas voulait admettre que la police l'a fait pour l'agir selon les règles, l'a nous mandé pour yo respecter les règles, yo estimé que nous c'est des emmerdeurs. Nous c'est moun kap nui moun, n'a pas empêché yo fait travail yo, n'a pas empêché yo conduire à la paix. Oh! C'est ça n'a fait justement qui aide yo fait travail yo. Parce que qui s'arrive? Les la police là a violé droit moun. Li créons écart entre lui-même et la société. Premier problème li bay, deuxième problème. Li permettre que sanction yo pas ka joindre sanction. Puisque moun ko besoin poursuivre yo ou pas soumettre yo à la justice ou pas prévenir arrêter yo selon ou pas faire ramasser information nécessaire qui pour permettre la justice punir yo. Donc ou quitter société à tout temps entrer dans un cercle vicieux côté que ou pas capable n'est-ce pas combattre véritablement efficacement la délinquance. Donc toute question ça yo c'est niveau d'inculture démocratique dans la société hein, qui fait que gagne des débats ou à prendre en Haïti seulement ou quoi rive la Trinidad ou Jamaïque ou Saint-Domingue ou pas besoin de société à fond débat sur un procureur un commissaire gouvernement qui qu'un bon monde il t'a assassiné. Il t'a pas arrêté, c'est tout. Ou pas ta société, ou pas ta voye fait débat sur ça. Ou pas ta bien aucun monde qui qu'on lit, aucun monde qui a l'école, aucun père, aucun monseigneur, aucun pasteur qui t'a pas campé dans la radio. Ni aucun journaliste qui t'a pas ouvert la radio, le micro, n'a fait vieille émission, oui, oui, bah, le monde vient applaudir au commissaire gouvernement qui a fait exécution sommaire. Niveau société, non, hein, à cause de l'inculture démocratique que nous gagnons, fait que gain des débats que des sociétés résoudent longtemps, depuis 40-50 ans, et puis c'est eux-mêmes qui ont fait aujourd'hui, hein, parce que nous pouvons résoudre le problème. Ça. Ok. Et un autre problème que nous pouvons résoudre, c'est professionnalisation et bah, équipement à force de l'audio, pour être capable de mener action, vous voulez mener pour sécuriser la population. Il y a une information sur l'acquisition de nouvel équipement pour bien acheter. Est-ce que nous-mêmes dans la fondation, j'éclairer, nous gagnons information ça ou est-ce que nous avons partagé avec le public? Oui, nous sommes au courant de ça. Nous sommes au courant que l'État a fait un effort colossal pour acheter des équipements pour un montant de près de 18 millions de dollars américains pour équiper la police. Il y a des gens qui parlent de 12, mais en principe, le contrat, c'est 18 millions. Maintenant, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut dire tout de suite que ça ne suffit pas. Qui ça pour nous comprendre? Et bien là, c'est que ça nous dit là, par exemple, la police qu'on a boumé avec 400 marozo. Lorsqu'on bandit mourir dans le camp 400 marozo, demain, on a 3-4 autres qui remplacent. Il fait des recrutements forts. Il fait des recrutements, oui. Or, au niveau de la police, nous avons des policiers qui ont mouru, nous avons des policiers qui ont blessé, nous avons des policiers qui ont déserté, qui ont quitté la police. Pour y'a là, nous avons une question résolue maintenant. Est-ce que nous avons suffisamment de policiers ou de soldats pour faire face à la situation de sécurité nous avons là? C'est le point. Pour y'a regardez, le Boris Johnson est venu en Ukraine l'autre jour. Il a parlé à président Zelensky. Je dis, président, moi, je manque de soldats, ma bonne coopération, ma formé 10 000 soldats pour vous en 120 jours, qui pourront renforcer le gouvernement dans Donbass là. Donc, je dis, quelle est l'étude qui est faite sur qui quantité militaire, quantité soldats, quantité policiers que nous avons besoin pour nous combattre l'insécurité? Dans tous les pays du monde, dans la période de crise, j'ai besoin de 6 mois en période normale pour me former un soldat. Dans la période de crise, j'ai besoin de 2 mois. Donc, si je dis, j'ai dit, m'a formé 10 000, 15 000 soldats en 4 mois, en 6 mois. Vous imaginez que j'ai 15 000 soldats là, médaille, si m'a formé en 6 mois. Et puis, j'ai 500 villages de Dieu, j'ai 1000 quoi de bouquets. A fait village de Dieu, c'est dans la bouche pour nous adopter des avis. Nous avons 200 ravines. Donc, il y a un premier problème, la question de ressources humaines. Il faut former des policiers pour me remplacer, ça va mourir, ça va partir, ça va, n'est-ce pas, ça va blesser. Il faut des gens. Deuxième bagage, il faut des matériels.
Troisième bagaille, donc on m'achete bon matériel, bons armes, bon bayo, etc. Troisième bagaille, faut m'gain ressources technologiques. C'est-à-dire que jodi a kidnapping, ça pote le goût, c'est téléphone cellulaire. Pas de kidnapping avant téléphone cellulaire. Non, c'est la technologie qui nous a amené le kidnapping. Mm-hmm. Mais c'est avec la technologie pour combattre les droits. C'est-à-dire que faut que moi capable de apparaître, on est font appel là et puis m'entrer numéro là. À 4 5 mètres près moi qui côté appel ça te émettre l'appareil existe. Faut m'acheter, faut m'gel, ça dit faut mécaniser la police là. C'est-à-dire que pour une capacité d'intervention. Mais la majeure partie quand nous connaît côté mener mon numéro. Oui. Mais faut m'gel information précise là. Mm-hmm. Si me dit mener mon village de Dieu ça veut rien dire. Mais si nous avons campé dans le téléphone, village de Dieu, nous avons dit que c'est dans tel cas, appel sa fête, nous avons lancé le cas. Donc, la technologie, il faut renforcer la capacité technologique, non. Il faut renforcer la capacité de renseignement. C'est-à-dire que faut une utilisation du renseignement, de l'information, de l'infiltration, de traitement qu'a fait sur information, de telle sorte que. Jodia, bandia, fait infiltration plus que la police. Bandia font comme nos kidnappings et puis l'acheter 100 motos et puis l'employer 100 jeunes garçons et vous gagnez 100 chauffeurs moto dans la rue, il y a 100 informateurs. Mm-hmm. Mais son comme bandia fait, mais 100 informateurs ça, c'est des cabrelés qui ont balé l'information, le camion police a vu nos côtés pour empêcher de pas venir. Mais ça fait, c'est le travail pour la police, t'as fait tout, oui. C'est-à-dire que, en dans village de Dieu, par exemple, vous gagnez. 40-50 000 personnes qui vivent dans le village là. Ou bien peut-être 500 armés. Toute reste population pas armée. Ils sont en otage. Mais il faut la police qui a 500-600 personnes la payer dans le village là. Seulement, ou bien un petit téléphone qui a bien la police information qui côté, qui caïs ou dormi, qui fait fréquenter, à qui moun la. Faut que la police est filtrée. On va foutre combattre sans l'infiltration. Mais ça, c'est le renseignement. Donc, il faut renforcer la capacité. Certains nous-mêmes nous disent trois bagailles. Nous disons, un, il faut que sur le plan de ressources humaines, il faut que nous renforcer la police, il faut qu'il y ait plus de policiers, il faut que nous renforcer l'armée, il faut former plus de militaires, il faut une formation massive et intensive pour que le problème nous gagne la bacatane. C'est en 3-4 mois, on forme 10-15 000 soldats. Vous comprenez? Et puis, on nettoie la police là. Avec renseignement, vous voyez les gens qui sont vous voulez aller, vous arrêtez pour que vous ne pas utiliser, le gang n'a pas utiliser les gens dans la police, pour garder la police encore. Il faut nous avoir des ressources matérielles, il faut nous avoir plus, pour nous avoir bon matériel, pour nous gommer, bonnes armes, bon char, etc. Et ressources technologiques, il faut nous avoir. Et puis, le service de renseignement. C'est trop mal à vous faire. Vous ne pouvez pas parler de instrumentalisation. Moun ki nan politik fè de institisyon yo, ki ti la polis, ki ti la justis, e le fèt ke men moun sa yo, yo nan konfyo lo avèk de bandito. Non, non, instrumentalizasyon, tentasyon ka toujou la, fò renne posib. La tentasyon pe etre la. Le tromp bezwen os Etats-Unis pran kapitol la, ou pas tromper du pouvoir enquête à faire jusqu'à présent pour gagner des sanctions qui prend pour que ça pas possible dans 4 ans dans 10 ans dans 20 ans c'est-à-dire que nèg ka essayé instrumentaliser la police là faut que structure norme yo institution yo fonctionnel de manière telle que nèg la vle font bagaille mais l'impossible pour le faire. C'est-à-dire que il suffit d'avoir les règles. Renforcer la police, c'est un marché de paix, en fait, avec renforcer la justice. Absolument. De droit. Absolument. C'est-à-dire que faut faire le choix de l'état de droit. C'est-à-dire le choix pour nous soumettre société à oreille de la loi. Donc, si le monde qui fait développement dans tout pays du monde, mais dans les Caraïbes, là, par exemple, qui ça qui fait au mieux passer. Donc, pour que ça aille à courir le Chili, courir le Brésil, courir le Guyane, c'est le choix de l'état de droit que les pays ont fait, oui, qui fait faire progrès. Et puis nous-mêmes, nous étions dans l'émotion, nous étions dans la violence aveugle, et puis nous tombons dans un cycle de violence, dans l'instabilité, et puis nous pas qu'à faire développement économique et social.
Il y a un cycle de violence qui prend la vie du dernier président qui était élu. Il a nommé un nouveau juge sous juge d'instruction qui supposait mener une enquête sur la mort de Jovenel Moïse. Qui ça vous dit avec la dernière décision? Est-ce que vous pensez que nous avons une chance pour nous connaître une vérité sur ce qui est passé? Bon, c'est déjà. Presque un an après. C'est déjà un bon bagage que nous avons juge. Parce que pas de juge qui est sous dossier depuis plusieurs mois. Ça passe, le cas de Jovenel Moïse. Et c'est ça que je ne peux pas comprendre. Le Jovenel Moïse mourit. Jovenel mourit déjà. Mais, justice pour nous jouer pour Jovenel Moïse. Ce n'est pas pour Jovenel Moïse, non. C'est pour la société. C'est une obligation pour que le monde qui tue Jovenel là, le groupe qui tue Jovenel là, nous joignons, nous sanctionnons. Pour que, c'est ça la justice a une valeur symbolique. Que si vous avez besoin de faire un attentat sur vous demain, puis vous allez faire. Vous dites, mais ça, on peut faire contre Jovenel Moïse, mais ça, la justice est faite. Donc, bonne nécessité pour la société, pour vous punir, rechercher, identifier, arrêter les gens qui tuent Jovenel Moïse, et pour vous punir. Sans injustice, sans vous pas utiliser le cadavre là pour faire politique, pour persécuter mon innocent. Hein? Donc, moi-même, j'espérais que le juge Jovine Jouen là, qui prend le dossier, il va prendre le travail au sérieux, il a fait travailler avec diligence, avec célérité, mais bien, pour que le rende ordonnance pour la population connaît, pour qu'il sache, président Jovenel Moïse mourit. Est-ce que c'est pour des raisons d'ordre politique? Est-ce que c'est pour des raisons d'ordre mafieux? Est-ce que le président Jovenel Moïse tenant confié au lot avec la mafia? Est-ce qu'elle tenant confié au lot avec Dile Drop? Est-ce que le gain bagaille qu'elle t'a fait, elle t'a trahi des engagements qui fait, c'est par vengeance, il vient tuer le gens, il tue là? Qui côté crime sorti? Et pour gagner des exemples qui tracent. Moi-même, c'est le premier monde qui t'a remémoré que le procès a abouti, parce que c'est un procès. Le fait que il est très médiatisé, journaliste, aujourd'hui, dans tout pays du monde, après, il a cherché à connaître ce qui a passé, tout le monde a besoin de la vérité. Eh bien, la justice haïtienne a une opportunité en or pour le redorer blason. L'identifier, arrêter les assassins de Jovenel Moïse et au juger, le sanctionner. Il y a des gens qui pensent que l'enquête n'a pas avancé parce que pas gagné volonté politique pour sa fête. Gain de négociation politique en fait. Objectivement, c'est tout de quand il y a gagné. Mais tout depuis gros quand on dit moun qui sous pouvoir avec moun qui pas sous pouvoir, c'est que nous allons vers de élection. Qui analyse au fait de dernier avancé yo, moi connais et Montana a fait de requêtes auprès de la primature pour gain négociation. Primature sélectionne un ensemble de moun pour représenter yo dans cadre négociation. Mais ou gain pression tout nous avons un cycle qui a répété. À chaque fois, nous avons volonté pour une discussion. Une discussion qui est engagée. Nous avons des choses qui sont écrasées quelque part. Nous avons un problème de confiance peut-être dans les acteurs. Ou bien un manque de volonté. Tout. Ou bien un problème d'alignement sur qui moteur transition supposé gagner. Qui fait nous pas capable avancer et aller vers un accord et avec pigou acteur parce que nous pas jamais qu'un accord avec tout le monde. Donc qui ont analysé dernier avancé yo et est-ce que vous pensez nous gagner plus chance cette fois-ci pour nous déboucher sur une solution politique et qui capable mener nous vers un apaisement
problème insécurité parce que les principales qu'on y a à côté de l'autre problème la vie chère environ 5 millions de monde qui besoin qui n'a urgence pour y manger et aller vers des élections qui c'est ça qui va permettre de renouveler personnel politique là et rappeler position dans le parlement dans la présidence et dans l'administration publique là en général. Bon, comme tu as dit malheureusement que moi-même, je ne pas ouais, nous sommes dans la bonne direction. Je ne pas ouais, ça va pour ouais, m'attendre là, qu'amène nous vers une solution véritable. Parce qu'on a passé un problème bien identifié est déjà à moitié résolu. Nous avons un problème au niveau d'abord de l'identification de ce qui est le véritable problème national. Le Jovenel Moïse mourit, et puis bon, Blanc a décidé, dans un premier temps, c'est Ticlode lui mettait là pour Kembe. Après, il dit non, c'est pas Ticlode, c'est Ariel Henry qui mettait là. Premier problème qui n'est pas posé et qui va le mener nos côtés de rivé là, c'est le problème de la gouvernance de l'État dans une période exceptionnelle. Et problème non, il n'y a pas réfléchi. Nous avons une situation, un président mouri, un parlement qui est inexistant, la Chambre des députés n'a pas existé du tout, le Sénat est réduit à un tiers. Nous avons un problème de gouvernance, une rupture de l'ordre constitutionnel. Et nous n'avons pas gagné provision constitutionnelle pour me faire face à cette situation. C'est ce qu'on appelle un état d'exception. Monsieur qui est dans Golivio, relève un état révolutionnaire. Donc, moi, dans un cadre, côté, j'ai besoin de créer le droit pour mener l'action politique. Donc, il aurait fallu, depuis l'époque, rechercher un consensus politique pour créer un cadre de fonctionnement de l'État. Maintenant, consensus ça a fait pour Chita sous des bases très claires. Exemple, Haïti a toujours été un pays côté la présidence de la République ont valeur symbolique. Il ne faut jamais cracher sur les symboles de l'État. Haïti, ce n'est pas la Jamaïque, ce n'est pas Trinidad et Tobago, qui est un pays de tradition anglo-saxonne, il y a un premier ministre, il y a un président. Ça n'existe pas. La question du premier ministre est rentrée dans notre culture politique à partir récemment, à partir de la Constitution de 1987. Et sous la base d'une logique claire, que nous avons un exécutif bicéphale avec deux légitimités différentes. Un président de la République issu d'élections sur l'échelle de la nation, donc légitimité nationale. Un premier ministre issu du Parlement, donc une légitimité parlementaire. Maintenant que nous avons un Parlement, ça a un premier ministre légitimité. Ça me fait premier ministre. L'État n'a pas besoin de premier ministre. Comme tu es ça depuis toujours de mourir. Donc, comme tu es une forme de gouvernement qui est un président intérimaire, un président provisoire, un petit gouvernement qui n'a pas besoin de gaspiller l'argent, pile ministre, secrétaire d'État, 10-12 ministres au maximum. Et puis nous dit, pendant la période ça, mais qui droit n'a pas appliqué. Mais cadre de fonctionnement, non. Mais qui durée période ça a gagné, mais qui mission équipe ça a là pour l'appliquer. Dès pourtant des nègres, pour le vendre, il besoin premier ministre, il besoin mettre président, il besoin mettre collègue président, tous ces jobs, tous ces nègres qui viennent chercher job, qui viennent voler,
nous pouvons poser problème l'État. Depuis que la vindou, nous avons besoin de faire un accord pour un premier ministre, un président, tous ces volets. Nous pouvons avoir un cadre pour fonctionner l'État. Nous pouvons avoir une route pour nous une solution. Nous avons besoin de premier ministre, besoin de président, exécutif. Vous souvenez de mon conflit président, premier ministre, comment on va résoudre. Ou pas aucun cadre. De, tout ça, donc, depuis autant de monde, il a parlé, il a fait accord, il a répété aux causes. Ça, connaissez des monde qui dans le ciel, c'est des rêveurs, c'est des monde qui a cherché, vin, mettre sous clou, qui a cherché, vin, piller, des ressources nous avons dans l'État, c'est pas monde qui a cherché solution. Ok, c'est ça que tu es supposé faire tout de suite après 6-7 juillet. Mais pas trop tard. Justement, mais qu'on y a presque un an après. Qui ça nous supposé faire? Nous faisons un an, nous perdons un an. Faut ne pas perdre plus de temps. Ça ne nous fait depuis un an, pas faire. Faut faire le plus vite. Chaque jour passe en plus, son temps nous perdons plus. C'est ça que nous faisons. Faut que nous attaquions. Parce que nous parlons plus de problème. Problème sécurité, problème grand goût, problème. Mais tout problème ça, qui base, qui problème fondamental, c'est la gouvernance. Donc, premier problème pays, c'est la gouvernance de l'État. Qui forme de gouvernement? Comment on a géré l'État? Comment l'État fonctionne? Vous pensez que l'État va gouverner? Non, pas du tout. Non, l'État n'est pas gouverné. C'est-à-dire que, ou une situation, quand on a des nègres qui ont fait comme, on a entendu des rumeurs à gauche, à droite, tel nègre des ministres, ou bien le premier ministre, nègre, là, il y a 40 ans, le bat, que j'en pose dans le caillou dans la ville, qu'on a entendu la page, qu'on a un million de dollars, la page de ceci, la page de cela. Pendant l'État, comment on fait 50 ans, 60 ans, 70 ans, ou pas de jamais ton caille. Oui, quand passe qu'on y a là, dans l'État qu'on y a. Donc, et puis, quand on fait 60 ans, ou pas de jamais bosser des cailles, vous pourquoi qu'on vient le ministre là, qu'on y a après un an pour qu'il t'a acheté caille 1 million de dollars, 600 000 dollars, 500 000 dollars. Quand on vient comme là. Donc, mais c'est ça, ouais, que nous gagnons dans l'État. Donc, problème de transparence grave, déjà, corruption qu'a fait dans l'État. Et tout le monde a essayé, vint sous ses eaux, vint faire corps, vint faire l'argent. Pendant ce temps, le pays a péri. Donc, il faut que nous commençons à gagner des hommes et des femmes de bonne volonté qui disent halte là. En nous attaquer le problème. Prenons le taureau par les cornes, en attaquer le problème. Pas dans le sens pour nous plus de monde qui vient enrichir tête, plus de monde qui vient voler, mais dans le sens pour nous permettre l'émergence d'une équipe d'hommes et de femmes. Compétent, honnête, sérieuse, qui pouvait bailler en directive pour l'État marcher, pour l'État fonctionner dans le sens de la stabilité politique pour nous créer les conditions pour sécurité réunie dans le pays, pour les gens qui ont fonctionné, qui ont marché, l'ouvre, 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 pour faire kidnapping fini, pour bandits, gang crasé. Pour bandits arrêter, pour la justice fonctionner, pour punir les gens qui ont mérité puni, que ce soit les criminels de sang ou bien pour les crimes financiers, les gens qui ont volé pour y aller devant la justice. Hein? Et bien pour nous lancer le pays finalement sur la voie du progrès et du développement. Mais M. Madistin, les gens qui sont sous pouvoir, le pape Jean, accepter de remettre le pouvoir pacifiquement. Et pas qu'une solution là qu'on y a qui a fait impression rien sans les pages du naval international. Qu'est-ce qu'on fait dans cette impasse? Ah ben c'est comme si on dit nous condamnés. Bah quoi nous condamnés? Nous n'avons impasse. Bon, oui, mais impasse, ça va vouloir dire que nous sommes condamnés. C'est ça veut dire qu'on fait preuve d'initiative, preuve d'intelligence, preuve d'ouverture d'esprit. Pour nous chercher les moyens qu'il faut pour sortir de l'impasse. Merci beaucoup. Merci, M. Madistin. Merci parce que tu as regardé Chida Balé. Ça, on a bon rendez-vous très bientôt. Soyez au poste.